Good Morning Business, French Tech. 6h44 sur BFM Business, RMC Découverte, et toutes les food tech ne sont pas dans le dur. Il y en a pour lesquelles ça marche très bien. Ce matin, on est avec Joe. Vous faites tout de A à Z. Jacques-Édouard Sabatier, bonjour. Vous êtes le fondateur de Joe. Vous nous demandez nos habitudes, toutes les informations sur notre foyer, nos habitudes alimentaires. Et puis après, vous générez une liste de courses pour faire des recettes précises et me dire exactement dans quel magasin je dois aller. Vous levez 13 millions d'euros aujourd'hui pour aller aux États-Unis. Ils n'aient pas ça aux États-Unis. Eh bien, pas encore. Et même en France, on est encore un peu les seuls sur ce modèle. Donc, Joe, effectivement, l'idée, c'est de vous aider à réinventer la manière dont vous faites vos courses. Ça fait à peu près 60 ans qu'on fait nos courses au supermarché de la même manière. C'est un peu une corvée pour tout le monde. Et ce statu quo n'avait jamais été remis en question. Et donc, on s'est dit comment on peut réinventer la manière de faire ses courses. Et effectivement, vous téléchargez notre application, vous vous loguez, vous nous dites qui vous êtes, si vous avez des enfants, des goûts particuliers, un régime particulier. L'application va automatiquement planifier vos repas de la semaine suivante. Donc, on va faire un menu rien que pour vous. Vous choisissez vos recettes et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur suivant. Et c'est là que c'est magique. On va automatiquement remplir votre panier avec tous les ingrédients nécessaires. Et ça n'existait pas en France. Encore moins aux États-Unis, donc on est ravis aujourd'hui d'accomplir cette mission, de faire mieux manger toutes les familles, quelle que soit leur localisation et quel que soit leur budget. Alors les ingrédients, ils se retrouvent où? Dans le magasin en bas de chez soi, dans certaines enseignes? Est-ce qu'on peut se faire livrer à la maison? Et effectivement, l'enjeu, c'était comment on part d'un média recette, d'une vidéo pour ensuite créer un panier qui est effectivement achetable. Donc quand vous vous connectez sur Joe, vous allez pouvoir utiliser le compte de votre supermarché. Donc comme de la même manière que vous faites un Facebook Connect ou un Google Connect sur certains sites, là sur Joe, vous allez pouvoir faire un Carrefour Connect, un Auchan Connect. Ah oui. Et donc vous êtes connecté sur notre application avec votre compte de supermarché et donc vous créez un panier en live sur le site du supermarché. Et à la fin de l'expérience, vous pouvez donc passer commande directement et vous faire livrer à domicile ou récupérer votre commande en Drive. Tony, comment est-ce que vous allez intégrer les nouveaux outils d'intelligence artificielle générative, parce qu'on voit beaucoup d'outils maintenant qui permettent de créer soit des paniers types, soit même en prenant une photo de son frigo, d'avoir des idées de recettes, etc. J'imagine que c'est des choses que vous regardez de près pour les intégrer à votre application. Alors, c'est évidemment des choses qu'on a déjà dans notre algorithme. On a deux algorithmes très puissants. Le premier, c'est celui qui est derrière le menu pour aider à choisir les recettes, puisque chaque foyer a un profil de consommation différent. Le deuxième, il est derrière les produits pour choisir les bons produits en fonction des recettes dans les bonnes quantités. Ces deux algorithmes, ils ont été pensés par nous et ils intègrent un petit peu d'intelligence artificielle, mais il faut garder en tête que l'intelligence artificielle, elle ne fonctionne bien que si en entrée, elle a les bonnes informations. Oui. Et ça, c'est un élément qui est important. C'est comme si vous confiez une Formule 1 à quelqu'un qui ne sait pas conduire, il va pas en faire grand-chose. Et pourquoi c'est important? Parce que la food, en grande partie, n'a pas encore été encodée. C'est-à-dire que si vous prenez un paquet de pâtes, dessus, vous n'allez pas avoir la portion classique, vous n'allez pas forcément... Le temps de cuisson est peut-être écrit sur le paquet, mais n'est pas disponible techniquement dans les données. Ah oui. Et donc, au fur et à mesure qu'on fait nos recettes, au fur et à mesure qu'on cuisine, on va encoder tous ces éléments qui ne sont pas encore présents dans les catalogues de produits. Et donc, on dirait que vous digitalisez l'alimentation. C'est exactement ça, on est en train de digitaliser la food parce qu'on a souvent les informations de base sur les ingrédients, mais on n'a pas tout ce qui est lié à l'usage, on n'a pas tout ce qui est lié à la saisonnalité, donc on encode au fur et à mesure qu'on cuisine. Alors le business model, parce que c'est quand même dingue, vous avez lancé l'application en 2022, vous dites que vous êtes déjà rentable en France en 2023. Donc, alors, on a lancé l'application en 2018. Ah, 2018. Donc, pardon. Oui, ça fait 5 ans. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle qu'on soit rentable. Ah, pardon, aux États-Unis, vous avez lancé l'application. Oui, on a lancé l'année dernière et on est rentable depuis l'année dernière. Ah, ouais. Alors, comment vous faites? Parce que du coup, la question qu'on se posait pendant la pub, c'est qui paye? Il n'y a pas d'abonnement, a priori. Enfin, il n'y en a pas pour l'instant. En revanche, j'imagine que vous avez des partenariats avec la grande distribution, des partenariats avec les livreurs aussi. J'ai vu que vous avez avec Deliveroo. Maintenant, on peut alors, dire. Tout à fait. On a annoncé hier un nouveau partenariat avec Deliveroo. Ouais. Le modèle est en fait assez classique. Il y a une première source de revenus qui est un principe d'apporteur d'affaires, donc d'affiliation, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on amène un nouveau client ou une nouvelle commande à un supermarché, on a une petite rémunération sur cette commande. D'accord. La deuxième source de revenus, c'est la publicité. Donc, on fait des recettes qui sont sponsorisées. C'est toujours le client d'abord, c'est-à-dire qu'on va toujours respecter ce qui est bon pour l'utilisateur. Mais derrière, on va proposer à une marque de pâtes de faire une recette sponsorisée de pâtes. Et donc, on va présenter dans le menu cette recette sponsorisée. Vous voyez comme un média, quoi. Vous êtes une sorte de marmiton, mais qui va plus loin. On est la conjonction d'un média et d'un site e-commerce. Ça fait 20 ans qu'on a une dichotomie entre, d'un côté, les médias qui font envie
les sites de recettes, les plateformes, et de l'autre côté, les e-commerçants. Nous, on a tout mis sur la même plateforme, le contenu et le e-commerce. Alors, je vais jouer les empêcheurs de tourner rond. J'ai un petit bémol, c'est-à-dire que vous touchiez une commission sur le magasin, c'est normal, que vous mettiez en avant par la publicité des marques, c'est normal, mais que automatiquement, dans ma liste de courses, j'ai des pâtes Panzani et pas des Barilla. Ça, comme consommateur, moi, ça m'embête. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la première chose, c'est que c'est 100% recommandé, mais 100% flexible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter les recettes que je vous propose. Changer. Vous pouvez changer, vous avez complètement le choix. Et la deuxième, c'est que ce cas ne se présente pas vraiment, puisque le premier critère de notre moteur de recommandation, c'est est-ce que c'est bon pour l'utilisateur. Le deuxième critère, c'est est-ce que c'est pertinent pour la recette. On va pas vous mettre 2 kilos si vous avez besoin de 500 grammes. Oui, mais entre des Panzani, des Barilla, pour le coup, c'est pas la même chose. C'est le sponsor qui va choisir alors, ce qu'il met dans le panier. Pour le coup, c'est l'utilisateur qui choisit dès le menu. C'est-à-dire que si dans le menu, je vous mets une recette sponsorisée, il y a la marque et d'accord. C'est vous qui choisissez de la garder ou pas. Mais est-ce qu'il y a une option pour les consommateurs? Parce qu'on sait que c'est quand même une des préoccupations aujourd'hui. Je veux avoir la recette la moins chère avec les produits les moins chers. Oui, alors c'est effectivement c'est une bonne nouvelle puisque c'est littéralement une fonctionnalité qu'on va sortir dans les semaines qui viennent. Il y avait déjà une fonctionnalité très utilisée sur notre application, c'est que quand votre panier est prêt, il y a un filtre qui vous permet de booster tous les produits premier prix. Donc vous pouvez soit dire je veux maximiser le bio dans mon panier, soit dire je veux maximiser les produits premier prix dans mon panier, donc on avait déjà cette fonctionnalité. Et là on va aller un cran plus loin, c'est qu'on va maintenant pouvoir démarrer son expérience en définissant un budget. Donc vous allez dire j'ai 50 euros de budget pour les courses de cette semaine, et notre algorithme, dès la génération du menu, va faire un menu pour vous qui va prendre en compte ce budget, et on va respecter ce budget tout au long de la chaîne. Donc on enlève vraiment toutes les contraintes et toute la charge mentale de la planification de repas, des idées recettes, du maintien du budget, et ainsi de suite. Aux États-Unis, vous associez avec qui pour vous développer? Parce que c'est pareil, il vous faut le Donc là, on a énormément de chance, puisqu'on a démarré très fort dès le départ avec Kroger, qui est un des plus gros retailers américains. On va en annoncer trois autres dans les semaines qui viennent, aux États-Unis et au Canada, donc ça accélère très fort. Et notre ambition, c'est tout simplement de faire un copier-coller du succès qu'on a eu en France aux États-Unis. En France, on a servi plus de 150 millions de repas déjà. Donc aujourd'hui, Joe est discrètement devenu le chef le plus influent de France. Et notre idée, c'est de répliquer ce succès aux États-Unis. En tout cas, bravo, c'est impressionnant. 7 millions d'utilisateurs déjà sur Joe. Merci beaucoup, Jacques-Edouard Sabatier, le fondateur de Joe, d'avoir été l'invité de la French Tech.